Voilà, coucou tout le monde, c'est Antalis, on se retrouve. Nouveau live, tout ça, vous connaissez maintenant. Ok, donc, on a une Master Sword qui a été upgrade une fois. Et du coup, l'objectif, c'est de faire le niveau de l'épreuve de l'épée. Il y a trois niveaux, hein, pour rappel. On va commencer à attaquer la partie moins fun. Ouais, parce que la dernière fois, déjà, c'était la partie fun. Ouais. C'est pour ça qu'il m'a fallu 2 jours pour m'en remettre. En vrai, c'est d'une difficulté aberrante, mais c'est ça qui est drôle. Allez, go. Fuck you. Ouf. Ok. Ok. Ah ouais, non mais... Toujours plus le jeu. Ok. Ah mais attendez, je suis con. J'ai oublié de faire la première partie du glitch. Quel trou du cul. Non, parce qu'il manque quand même la petite partie importante, à savoir celle où je déclenche le glitch. Parce que si je déclenche pas le bug, ben ça peut pas marcher. Je suis un peu rouillé, hein. Mais oui, Animal Crossing, ça prend du temps. Exactement. Samchi a raison. De toute façon, si je suis à la bourre, c'est entièrement de la faute d'Animal Crossing. C'est pas de la mienne. Faut voir sauvegarder ici plutôt. Du coup. Alors, est-ce qu'on est bon? Je suis pas sûr qu'on soit bon. Non, on n'est pas bon. Non, ça. Ouais, c'est bon là. Ok. Est-ce que je mangerais pas un petit truc? J'ai pas un petit plat là qui serait cool. 4 minutes. Allez, go. C'est quoi ce patient qui a fait? En gros, le shield surf a un léger problème de hitbox qui fait que... Enfin, si je suis sur une pente inclinée quand je fais mon shield surf, pour une raison totalement obscure, le jeu va se souvenir que j'étais incliné dans le shield surf et... Enfin... Ok. Dis-moi que t'es tombé dans le vide.
Non mais. Je vais récupérer des armes parce que je sens que j'en aurai besoin contre le méchant. Ok. Ok, ça va le faire. Bon, maintenant. On va juste changer d'arme parce que celle-ci pue la merde. Mais. Ok, donc faut que j'aille sur le mur d'en face. Ok. Je veux juste être tranquille, donc du coup je vais éliminer celui-là. Ok, ça fait une arme en plus. Et surtout des flèches en plus, nice. Comme ça, si ça se passe mal. Ah, regarde, et en fait, du coup, ça va casser ma hitbox. Ça va passer, hein. C'est juste que. Alors? Et bah alors, ça veut pas? Non, oh, pourquoi ça veut pas? Voilà. Ok. Ok, on est bon. Alors du coup, j'ai juste regardé sur. Hop, la vidéo que je regarde. Ah, attendez, bougez pas, je le mute. Voilà. Apparemment, lui passe par là-bas. Donc on va tout bêtement suivre. Hein. Alors, je lis plus le chat, évidemment. Hein, faut que je regarde ce qui se passe sur l'écran. Lui a carrément plus un. Lui, il connaît le chemin au moins. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, on est vraiment pas loin en fait. Je remets le chat parce qu'on a pas mal pour marcher quand même. T'es où là? Bah là? Bah là, je suis à l'endroit normal à l'extérieur de l'épreuve, Samchi. Tu connais pas? D'ailleurs, je vais me rééquiper du shield, on sait jamais, ça pourrait peut-être être pratique. J'ai quoi en arc? J'ai un arc à point de boko, super. Par contre, j'ai 31 flèches, donc c'est plus que ça, largement suffisant. Est-ce que j'ai récupéré là? Oh oui, oh je vais pouvoir faire un truc sale. Salut l'outre démoniaque. Alors. Est-ce que c'était ici? Oui, c'était là. Cool. On en est où? Oh, on a quasiment fini le jeu là. Ok. Donc faut passer par ici. Il est dans le néant, mais non, je suis sur la map. Normal.
Franchement, ça me chie. T'es jamais passé par ici, toi? Faites plus rapide, monsieur. Hein. T'as pas acheté cette cochonnerie de DLC? Ah bon? Ah, j'étais sûr d'être passé là. Trop loin. Faut que je le fasse en étant plus proche du truc. Pas aider DLC. Non mais Samchi il aime rien. Samchi râle tout le temps. On va y arriver, vous inquiétez pas. Je vais réussir à casser le jeu. On l'a eu? Non, j'y ai cru! Ah, j'ai cru tellement fort qu'on l'a vu! C'est pas grave! On va y arriver! Je vous dis qu'on va y arriver! On a réussi la semaine dernière! Oh putain! En fait, je crois que c'est le bloc de glace qui est pas bien placé. Je pourrais voir le bas de ma plateforme, s'il vous plaît. Trop tard. Yes! Désolé, ça m'a pris du temps. Ok, alors normalement. Voilà. Allez, c'est parti pour la partie dure maintenant. Plan B.
Non mais alors là non, le jeu quoi, sans déconner. Et du coup, vous allez dire, mais cet Inox, en fait, on l'a déjà vu, c'était pas celui de la première épreuve de l'épée. Si, si, c'était le boss final de l'épreuve de l'épée numéro 1. Vous aviez raison, vous avez un super sens de l'orientation, de l'orientation, de l'observation, c'est pas pareil. Sauf que là, vous remarquez qu'il y a un truc bizarre. Oh, je vais toucher l'épée de légende. Donc effectivement, le jeu prend en compte en fait le fait que on soit rentré dans l'épreuve numéro 2. Il check qu'on ait tué un boss final d'épreuve. Sauf qu'il check pas qu'on ait tué le boss final d'épreuve numéro 1. Il check juste si on a tué un boss d'épreuve. Et du coup, bah il m'a amené là. Et du coup, du coup, je peux finir l'épreuve numéro 2 en ayant battu le boss numéro 1 et en ayant absolument rien vu de l'épreuve numéro 2. Oui, ça me dit, ce serait beau s'il pouvait dire ça, mais non. Et pour information, le bug avec le shield surf, c'est un bug qui est utilisé sur le speedrun du jeu. En 90%. Puisque c'est le bug qu'ils utilisent pour rentrer dans les sanctuaires sans passer par un grand tour. Faudrait que je fasse une mode tricheur. Je vais y penser. Waouh, elle est devenue trop forte. Oh, attendez, bougez pas. J'ai tout cassé. J'ai tout cassé. Voilà, c'est bon. Je regarde un tous les city speedrun de Majora's Mask. Non, mais il n'y a pas que ça. Hein. Tout son. Enfin. Tous les city speedrun, c'est des trucs incroyables, Samchi. Hop, on sauvegarde ici. Ok, on va regarder ça. Est-ce que c'est bon? Attendez, trop tard. On l'a pas. Ah oui, pardon. Si j'ai pas de shield, ça peut pas marcher. C'est bon, je l'ai. Oh, il est violent. Bah là, je vais bien rentrer dans les murs, vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. Alors du coup, là, notre plus grosse problématique, ça va être de récupérer un bouclier.
Sauf que bonne nouvelle, on affronte que des ennemis, Fabi. Pardon, j'ai oublié de passer. Ok, vous savez quoi? Voilà. Oups, il y en a un qui me tire dessus. Ah, il est là-bas. Voilà. Bah en hard c'est infaisable, vraiment. Alors, on va essayer de récupérer d'autres flèches si on en trouve. Pareil, les petites armes, je vais pas dire non. Hein. Apparemment, il y a un truc à ramasser. Oh, un os. Bon, je pense qu'on va y aller comme ça. On a combien de flèches? 12. C'est peu, mais ça va le faire. Ah non, attendez. Le jeu est sympa, il m'a filé des flèches. Ok. Alors, on va changer d'arme, du coup. Hop. Ok, il faut que j'aille sur le mur qui est en face. Est un inel. Non, c'est un inox. Non, vous inquiétez pas, c'est toujours un inox, ce sera toujours un inox, ce sera constamment un inox. J'espère que vous aimez bien ici inox. Ouf, presque. J'ai oublié d'équiper le bouclier aussi. Non. Presque. Non. Bon, je fais trop tard en fait. On va y arriver. Trop tard. Mais. C'est pas ce que je veux. Fais un effort, Link. Attendez, par contre, j'essaie de passer par un mur qui me plaît pas en fait. Ici serait peut-être mieux. Bah tant que j'y pense, il y a peut-être une double couche là. Vous aimez bien voir des streamers se prendre des murs, les gens, avouez. Je me fous dans un coin, c'est toujours plus facile dans un coin. Non. Mais, ah. En gros, j'ai un problème du coup avec l'angle là. Non, trop tard. Non. Donc oui, alors du coup, comment fonctionne le bug? Il faut que les pieds de Link soient devant pour que je puisse passer à travers le mur. Non, il veut pas. Je suis pas un peu à 10 km. Oui, si, je suis complètement à 10 km. Je
comprends pas pourquoi là il le veut pas. Y'a quoi que je fais mal? Y'a quoi que je fais mal? Oui, non, alors sans bouclier ça marche moins bien. Alors là, j'ai retiré assez tôt, mais j'étais beaucoup trop loin. À chaque fois, c'est pas de pas grand chose, hein. On voit les pieds s'enfoncer dans le mur, mais. Ah ouais, voilà, là je l'ai. Ok, alors maintenant on va regarder le chemin. Ok, apparemment faut passer entre les deux trucs sans les toucher, hein. Si je touche... Mon Dieu! Apparemment, si je touche ces trucs, c'est game over de mon côté. Normalement, on est censé voir deux cubes, voilà, apparaître. Ah, lui, il part sur la gauche. Je vois plus le chat, au fait, hein. Donc alors, attendez, je mets sa vidéo en pause. Attendez, je vais remettre le chat de mon côté. Voilà, le temps de monter, on a pour un moment. Quel streamer proche de sa communauté, n'est-ce pas? Je jette un coup d'œil au chat toutes les 10 minutes, c'est cool. D'ailleurs, en parlant d'être proche de la communauté, ça y est, j'ai enfin commencé à faire un vrai Discord pour les streams. Hein. Ok. Puis j'aurais pas bugué tout le jeu, ça me chie, juste l'épreuve de l'épée. Juste un DLC entier. Franchement, il est mal codé ce jeu, regardez, l'eau est dégueulasse ici. Hein. Les développeurs, ils auraient pu quand même corriger ça. Hein. Me déçoivent. Bon, apparemment l'inox est par là. Ouais, il est là-bas. On va juste vérifier un truc. Oh pardon, j'ai oublié de. La course infinie quand tu grimpes, c'est pas le décès. Non, effectivement, c'est Vanilla. C'est gentil de le rappeler, Samchi. Et sans déconner, il est tout bugué ce jeu. Bah ouais, mais... Je veux dire, il y a tellement de...
Il y a tellement de choses dans le jeu que... J'ai encore du mal avec ce bug. Hein. Oh ah non, attendez. Ok, attendez. J'ai réinitialisé ma position. Mais heureusement... On a une immense pente juste à côté. Ok, c'est pas grave. On tombe pas. Oui, effectivement, tout à l'heure j'ai fait un saut et j'ai oublié de retirer mon shield. Putain, mais quel connard. Cette animation, vraiment, elle me saoule par contre. L'animation de plongée. Bah. Tu sais, si tu te sens pas trop concerné, tu le dis, Vic aussi. Hein. Merci. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Ouais, c'est peut-être un petit peu trop à 80 degrés, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors, pour rappel... Voilà. Ok, on va redescendre tout en bas. Pour rappel, le shield surf, c'est un bug qui nécessite... Enfin bon... C'est bon, je l'ai. Je l'ai à nouveau. Donc on arrête de faire des conneries avec le shield surf. Mais en gros, ce qui s'est passé là, c'est que du coup, vu que j'ai... vu que je m'étais... j'avais utilisé le shield normalement et que j'avais touché le sol, du coup, Link a re-sauvegardé... Enfin, Link. Le jeu a re-sauvegardé la position du shield à plat, en fait. Alors que moi, je le veux vraiment bien incliné. Oups. Mon endurance, rendez l'endurance. Ça sert à rien cette endurance-ci à justifier le fait qu'il y ait 120 sanctuaires. Non, pas si ils se sont dit, ouais, quand même, les gars. On a créé 120 sanctuaires, mais ce serait un petit peu abusé si...
Oui. Voilà. Putain, la vache. Bon, de toute façon, on va plutôt passer par là. Voilà, comme ça je peux pas le casser par accident. Ouais, j'ai failli le casser par accident. J'ai cru game over. Non, non, parce que du coup là. Ouf, on a heurté un petit mur invisible. Ok. Ah, je suis pas du bon côté. Vérifier, mais... Ouais, je suis quasiment sûr. Attendez, j'ai mal vu. Ouais, il faut que j'aille de l'autre côté. Une sorte de mur invisible ici, un peu chelou. On peut très facilement contourner, je vois pas l'intérêt d'avoir foutu un mur invisible ici. On vient encore de le heurter. Encore un petit coup, je pense. Surtout que t'es pas censé être là. Ah bon? Pourquoi je serais pas censé être à l'épreuve de l'épée? Par rapport au mur invisible. Ah oui. Voilà! Ah, j'étais quasiment sûr de l'avoir passé là. Oui, comment tomber mollement dans l'eau Attendez. Ne vous inquiétez pas, ça va passer au bout d'un moment.
Ok. Ouais. J'aimerais bien ne pas avoir de difficulté pour sortir. Enfin, pour rentrer, pardon. Non, toujours pas. Non, mais pour que ça passe, il faudrait que vous spammiez les emotes dans le chat. Ah ouais, d'accord, je viens de me bouffer le mur dans la gueule. Il le fait plus? J'ai touché le sol avec le shield. Merde, j'ai touché le sol avec le sol avec le shield. Ah, fait chier. Non, tu peux avoir les emotes gratos, ce Samchi. Tu peux avoir les emotes gratos si tu utilises les points de chaîne. On va voir s'il l'a pris. Ouais, c'est bon. Oh putain! Je veux dire fichtre! Wait. Wait a minute. Pente inclinée. Que j'ai réussi à passer à travers le sol à peu près. Je suis à peu près au bon endroit. Huh.
Salut Norvac. Oh. Mais écoute, ça va et toi? Je sais même pas que je pouvais arriver là. Hein. Donc ah, c'est la galère de ouf là. Mais je suis dans un spot chelou là. Au secours. Non, je retournais sur mon spot chelou. J'ai un doute là. Si, je l'ai toujours. Non, je l'ai plus. Est-ce que je peux essayer de choper l'angle ici? Ouais, le problème c'est que si je chope l'angle ici, ça va me foutre dans un angle de merde. Ouais, non, j'ai plus l'angle du tout. Fuck. On va voir ce que ça donne. Je peux avoir l'angle où j'ai la caméra qui m'a lancé. Non, je vais pas. Ah, fait chier, faut que je retourne encore en bas. C'est pas grave, on va s'en sortir. On va essayer une dernière fois. Je suis pas sûr qu'il ait pris là. Non, j'ai plus l'angle. Oh non, je pourrais retourner encore en bas. Je suis sûr que si je chope le bon truc là. Ouais, non, bon, bah, il faut que je retourne en bas. Quoi que je me dise, je devrais pouvoir le prendre sur les ice cubes là. Si je fous un bon angle là.
Ouais, non, ça va être chiant. Bon, on descend, c'est pas grave. De toute façon, on a tout le temps du monde. C'est pas bien de tricher, mais je triche pas. J'utilise des features avancées de gameplay. Faut surtout pas tomber ici. Voilà. Est-ce qu'elle est assez douce la pente? Oui, retourne-toi. Link, retourne-toi. Link, retourne-toi. Oh, nique ta race. Si j'ai eu l'angle, je l'ai eu. En plus, c'est pour la dernière. Ouais, je comprends pas pourquoi je galère sur la dernière, quoi. J'ai très bien fait fois précédente. Non, au pire des cas, si je vois que ça marche pas, on load l'ancienne save. Hein. Ça, c'était un bol. C'est hors limite du jeu là. Non, 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 c'est dans les limites du jeu. Si, bah, sinon, le jeu, il aurait planté. Ouais, heureusement, j'ai pris deux boucliers. Non, mais je prévois toujours large, ça me chie, tu le sais, hein. Je suis beaucoup trop prévenant. J'aurais peut-être changé de bouclier. Donc du coup, on est d'accord. On part sur la gauche, donc du coup, faut aller à gauche. On va pas se remettre dans le spot de l'angoisse de tout à l'heure là. Mais je l'aime pas. Et donc non, normal, non, ça c'est les limites normales du jeu, comme tu le vois. Alors, on va mettre un là-bas au cas où ça foirerait. Et un juste là. C'est bon. First try. Non mais c'était le bouclier qui était pas bon. Ok, alors. Merci. Merci.
Mais c'est inoxtant. Attendez, je lirai vos bêtises après, désolé, je vais me concentrer parce que je suis quand même pas... Je suis pas ouf en termes d'énergie là. Alors, Elinox qui tient encore toi, c'est clair. Et voilà, c'est comme ça qu'on a fait l'épreuve extrême de l'épée. Le saviez-vous, on peut encore mourir dans cette partie-là. Vous imaginez mourir maintenant? Genre sauter dans le vide ou se faire exploser une bombe en essayant un glitch qui permet de se déplacer ultra rapidement. Pensez à tous ces pauvres speedrunners qui sont faits défoncer à cet endroit. Pensez à toutes ces pauvres âmes. Pensez à tous ces chercheurs de bugs comme moi qui sont morts là-dessus. Je suis pas un chercheur de bugs, je suis juste quelqu'un qui aime bien utiliser. Nuance. Des murs invisibles, c'est clair. Hé, le jeu me félicite, j'ai prouvé ma valeur, hein. Oui, je suis digne de la véritable splendeur de l'épée de légende. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est le machin bizarre, là. On va faire la dernière créature divine, du coup. Ah, je vais délivrer une du mal. Ah, comptez sur moi. Ah, j'ai que ça à faire. Oh, j'avoue, deux épreuves de épée en 59 minutes 52 secondes, c'est un peu léger. J'aurais pu faire mieux. Brioche avait du mal sur le boss de la créature d'eau? Ou sur le boss de la dernière créature. Non, parce que moi aussi j'avais eu du mal sur la dernière créature. Il est quand même pas facile, hein. Il était en extrême. Je suis en extrême. Allez, le live a crash de ton côté, Norvac. Bah t'as raté si c'était une cinématique ou... Attendez. Ah oui, on a entendu le thème de Faye, on a entendu le son de Faye. Quelque chose me dit que l'épée est toujours hantée.
Bah, je suis le maître légitime de cette époque. Bah, évidemment, je suis tellement digne. Vous avez des chargements? Bah, je crois que c'est Twitch qui est pas bien. Ok, eh ben on a réussi l'épreuve de l'épée. Je sauvegarde de suite. Ouais, tant qu'on la voit pas, c'est vrai que c'est. Alors, comment ça tout le monde déteste Face? C'est pas vrai. Il doit bien y avoir une personne au monde qui l'apprécie. Du coup, bah on y va. Hein. Si on pouvait faire la dernière créature divine aujourd'hui, ce serait cool. Comme si on pouvait faire la. Enfin. La dernière des quatre de l'histoire principale serait cool, comme ça on pourrait faire la cinquième demain. Oh, voir aujourd'hui en vrai, hein, si ça se passe vite. Parce qu'en vrai, avec cette épée, ça devrait. Enfin, je devrais un peu rouler sur les mobs. Hein. En vrai, si je vois pas la dépense et que j'explose tout ce que je vois, ça devrait être rapide. Non, arrête, Nabil a rien à voir avec Faye. Faye était vraiment chiante. Le pire, c'était le putain de message. Les piles de votre télécommande sont faibles. Puis vraiment, caractère après caractère, elle le disait. Genre, putain! C'était une horreur sans nom. J'aimerais bien faire Skyward Sword, mais j'ai pas la Wii. Et j'ai pas de motion plus non plus. Enfin de Wiimote avec le motion plus. Mais j'aimerais tellement le faire, putain. Parce qu'en vrai, hein, malgré le fait que Faye soit clairement le pire follower de toute la licence, et quoi que vous disiez, ça changera rien au fait que c'est quand même le pire follower. Hein. Donc malgré ça, c'est quand même un jeu exceptionnel, Skyward Sword. Pas aussi exceptionnel que Breath of the Wild, mais il est quand même vachement bien. Déjà, c'est lui qui a intégré le système de stamina. Sauf qu'il était pas très bien intégré, parce que, bah, du coup, c'était de la merde, le système de stamina. Mais il n'empêche, il y avait eu plein de bonnes idées. C'est où? C'est là. Ouais, j'achète des flèches, je vais en avoir besoin, je le sais. M'en fous qu'il soit plus cher qu'ailleurs, ça me chie. Tous les rubis que j'ai là, c'est des rubis en rab en fait. J'ai 24 000 rubis à dépenser. Là, c'est l'endroit où je sais que je peux aller si je veux un gros stock rapidement. Là, je viens de récupérer 50 flèches de chaque. Et ça m'a coûté quoi, 3 000? Oh, ça va. Bon, un peu plus que 3 000, j'exagère, mais. D'ailleurs, rééquipe-toi d'un bouclier. Celui-là est très bien. Oui! Comment ça, j'ai un problème maintenant? Alors. Terry, où es-tu? 3 h du matin, tu dois dormir. Oui. Dans l'économie. Ouais, pas moi. Non! Quoi? T'as qu'un seul. Non! Au secours! Je suis de la merde! Ah, t'y vas? Ok, Samchi. Bah, bon après-midi. Dans son terrier. Oh lol! On va acheter d'autres flèches explosives. Parce que les flèches explosives, c'est comme un peu la vie.
On va rapidement, avant de faire la créature, voir si j'ai pas besoin d'affronter d'autres Linel. En fonction du nombre de d'arcs que j'ai, qui me reste. Je me souviens jamais de où est le shop ici. Je crois qu'il est tout en bas de la ville, mais pas sûr. Attendez, bougez pas, qu'est-ce qui se passe? Le dit à personne, mais il y a Kaito qui joue à Bus Simulator. Je sais pas ce que c'est comme jeu, mais ça a l'air trop bien. Hop, ici. Ouais, c'est Bus Simulator. J'achète tout! Oui! J'achète tout! Oui! Ok, on est bon. Ouais, et du coup, si tout se passe bien, on devrait avoir fini les Eldatons au jour 28. Si tout se passe bien. Non, parce qu'en vrai, les opus de 2D, je vais pas les faire. J'ai pas Link's Awakening sur Switch. Donc du coup, Breath of the Wild, ça va être la fin de l'aventure. Alors, du coup, attendez, bougez pas, on va activer la quête. Voilà, c'est ça. Ensuite, je voulais voir du coup les arcs. Où est-ce que j'en suis? Oh, il me reste plus que 3 arcs Linel. Ah ouais, non, si, si, on va clairement en faire. Hein. Tu crois que c'est un simulateur de bus, Norvac? Non, je crois que tu mens. D'ailleurs, putain, sans déconner, suivez Kaito sur ses streams. Hein. Il a un putain de setup pour jouer au. J'ai pas le pourcentage puisque j'ai pas encore affronté Ganon, mais on le saura après. Bah je te pique la flèche, elle te sert à rien. Il m'a agacé. Je garde vraiment Ganon pour la toute fin, Norvac. Je pensais qu'il y aurait des voix et tout, mais en fait on s'emmerde.
J'ai tout oublié. Je suis confus. Sourire, c'est vraiment jabu. Il te reste quoi faire du coup? Bah, je l'ai dit, putain, j'ai dit plusieurs fois dans le bac. Il me reste cette créature divine, la créature divine du DLC, Ganon. Et les Korogu, mais niquez vos races. Mais c'est bon, Norva, calme-toi. C'est bon, j'avais compris que t'avais pas entendu. On n'est pas obligé d'affronter un Linel, en théorie. Je suis allé chercher ses flèches. Bon, c'est pas grave, je vais le défoncer sur le passage, il doit bien avoir un arc. Vous savez, si je suis à route, je vais pas faire au difficile, hein. Arc et épée. Ah, il a une épée à une main. Ok, parfait. Ah, t'es pas sûr pour l'armée de main? Ok. Je comprends pas pourquoi ils ont pas fait la figure de proue de Fridan. Il sourit tout le temps. Il fait toujours cling avec ses dents. Oh, il va bouder. Ouais, enfin, si au bout de 100 ans, il a toujours pas fait son deuil, quand même, le gars, il a un problème, hein. Ah, c'est lui qui nous envoie sur le... D'accord. Ouais, non, Norvak, évite de taper certains mots-clés. Il y a des choses, voilà quoi.
Bah, je me mute pas, cinématique. C'est drôle. Ça me rappelle notre première rencontre. Tu étais un enfant si turbulent. C'est vrai, tu n'arrêtais pas de te blesser. Et moi, je te soignais. Je veillais sur toi comme je le fais aujourd'hui. Mais les Iliens grandissent si vite. Bien plus vite que nous, en tout cas. Tu es déjà presque un adulte. J'étais heureuse de pouvoir te soigner. Très heureuse même. Ce fléau qui va ressusciter. Ganon. Je connais son nom depuis toujours, mais je ne sais rien de lui, ni des combats qui nous attendent. Mais sache que si jamais il devait vous arriver quelque chose, à toi ou à l'un de nos compagnons, je vous soignerai. À chaque fois, quelles que soient vos blessures, je serai là. Je serai là pour te protéger. Et quand la bataille sera terminée, j'aimerais beaucoup que tu reviennes me voir. Comme quand nous étions tous les deux des enfants. Je suis quand même curieux de savoir comment ils se sont rencontrés, hein. Je dois faire quoi là? Je vois pas en quoi équiper l'armure Zora ça va le convaincre, mais ok. Ah, le casque, je l'avais pas trouvé, je crois. Boarf, est-ce que j'en ai besoin? De nombreuses sèches électriques, hein, connard. Salaud. Allez, allons sur le mont Risque-Tout, je sais pas quoi. Par contre, maintenant que j'y pense, il n'y a pas un shop ici? Bah évidemment qu'il y a un shop. Flèche en bois, flèche de glace. Ouais, intéressant. C'est pas un shop ça? Au secours. Il n'y a pas un shop à vêtements aussi? Il y a ça dans quasiment toutes les villes. Ouais, ok. Alors, où est-ce qu'il est le truc là? Le truc du tonnerre. Voilà, il est là-bas. Voilà. Alors, comment je suis censé monter là-bas?
Question con, mais il me reste des faits. Ouais, j'en ai 5. Easy. Easy. Facile. Une petite gauche pour m'en foudre. C'est ça. Non, parce qu'on va se le faire, ce Linel. NP. Qu'est-ce que ça? Oh, un champignon, tu vois. Ah! Pour vous, ça, c'est un raccourci. Physiquement, ça n'a aucun sens, mais c'est stylé. On va faire le tour. En gros, je suis pas contre le fait de récupérer toutes les flèches électriques du monde. D'ailleurs, c'est pas déjà les flèches que j'ai en plus d'exemplaires? Bah si, complètement. Mais c'est un Linel tout claqué du cul. Alors. Où est-elle? La voilà. Mais il est tout faiblard celui-là. Quoi déjà? Mais il est vraiment à chier ce Linel. Et c'est quoi ce Linel de merde qui sème ses flèches aux quatre vents là? Genre ouais, moi j'ai une strat là, c'est je vais foutre mes flèches absolument partout. Comme ça elles sont pas sur moi et comme ça bah s'il y a des intrus, je leur tire pas dessus. Comme ça c'est fun. Par contre, je vais défoncer ces arbres. Coup de flèche électrique.
Hop. On y va? Il est figé comme une statue, le monsieur. Hein. Allez, go, on va avoir du fun. En arc, on va équiper l'arc de merde que je viens de récupérer. Bah, je spam A, mais ça veut pas. Saloperie. Encore une fois. La chaîne. On se rapproche. Au secours! Ah pardon, je savais pas du tout. Vilain éléphant.
Très gentil de la part de la créature divine de nous ouvrir la porte, quand même. Beau travail, Link. La créature divine a arrêté de déverser de l'eau. Bien sûr, ce n'était rien de plus que la première étape. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Je te souhaite bonne chance. Nous nous reverrons au domaine Zora. Je t'y attendrai. T'es le meilleur, Link! Mais allez, allons affronter des choses. Tu es sain et sauf. Je le savais. Je savais qu'un jour, tu viendrais ici. Tu vas libérer Ruta de l'emprise de Ganon, n'est-ce pas ? Dans ce cas, tu dois tout d'abord obtenir la carte représentant sa structure interne. Voici la pierre guide qui contient les informations de la carte. Il te faut l'atteindre. Ok, facile. Alors, quelles sont les flèches que j'ai en plus d'exemplaires? 300... Oh, bon, ok. Ok, ensuite ici j'ai vu ça pendant la cinématique, je suis trop loin. Ouais, trouver un ressort antique. Ensuite ici. Sauf que du coup il me faut la pierre guide avant. Bouger la trompe. Je me souviens pas de ce créature divine. Tu as trouvé la carte de la créature divine. Regarde-la bien. Tu vois ces points brillants? Ils représentent l'emplacement des différents terminaux de contrôle. Il te faut tous les activer. Ainsi seulement pourrons-nous récupérer le contrôle de Ruta. Courage. Tu y arriveras. Allez, bon bah je suis pas sûr, mais je crois qu'il y en a un ici, terminal.
reste encore 4 terminaux de contrôle à activer. Courage. Ok. Alors, voyons la map. Dans cette salle, il y en a 2. Ils sont juste au-dessus de moi. Ok. Ici, on a que ça, ok. Ça ressemble beaucoup à une salle de boss ici, lol. Regardez ce qu'il y a là-bas. Rien que je puisse activer, on va continuer à avancer. Quoique, je peux peut-être passer par ici. Est-ce que je suis en train de casser le jeu là en passant par là? Non. Où il est parti. Ok, alors maintenant. Oh god. C'est ce que je voulais faire. Non. Saloperie. Asmo, comment vas-tu? Ça faisait une éternité que je t'avais pas vu. Écoute, ça va, je vis mon confinement plutôt bien, et toi? Le confinement, comment ça se passe? Rester à jouer chez moi, c'est vraiment dur. Tu m'étonnes. Attendez, bougez pas. On a fait ça. Donc maintenant, le suivant, il est par... Ouais, par là, plus bas. Ok, j'ai trouvé juste là. Fort tirer l'eau.
c'était parti. Bon, pas de soucis. Alors, du coup, est-ce que je peux faire ça? Je te bloque! Que dalle. Non. Ok. Alors c'est bon. Bah on a fait l'épreuve de épée, donc là du coup on est en train de faire la dernière créature divine qui me manquait. Il reste encore deux terminaux de contrôle à activer. Tu y es presque. Presque. Ok, donc il y en a un en haut. Est-ce qu'on va encore dire que je triche si je passe comme ça? Je sais pas comment je suis censé monter en legit. Mais aïe! Il m'a touché! Alors, qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur ce bouton? Ok, il y a de l'eau qui tombe. À mon avis, je suis du bon côté. I have no idea of what I am doing. Bon, ok, d'accord. Le jeu veut pas que je triche. No fun. Bah du coup ici je peux pas monter en... Non. Ok, je sais pas trop à quoi ça sert tout ça. Non. Comme j'étais là mais je vois pas intérêt. Ah si, c'est juste là, mais comment j'y vais? Waouh, j'ai résolu l'énigme, je suis trop fort. Alors. J'ai essayé, le loot ça n'a pas très bien marché, donc du coup...
aucune idée de ce que je suis en train de faire. Il y a quoi que ce soit qui change là? Oh attends. C'était peut-être pour ouvrir la porte ici. Non, un cran avant. Non, un cran avant. Non, un cran après. Ok, donc ça c'est fait. Il ne reste plus qu'un seul terminal de contrôle à activer. Encore un dernier petit effort. Mais c'était un sacré petit effort. Du coup. Non, parce que l'autre, je présume que je couche la. Non, ça n'en veut pas. Il faut que je couche la trompe. On ne bouge plus. Oui, c'est un éléphant géant. T'as jamais fait Breath of the Wild à ce moment? Tu as activé tous les terminaux de contrôle. Tu l'as? Bah, je connais cet éléphant du coup. Si tu examines ta carte, tu verras un gros point brillant. C'est là que tu dois te rendre. Un mois, ça fait qu'un mois que tu as. Ça fait un mois et t'as oublié l'éléphant géant. Ah, toi aussi t'as sur Animal Crossing, il est trop bien ce jeu. Facile. Allez, en avant. Oui. Alors, je crois que je peux passer. Il y a un raccourci ici, non? Je peux tomber juste devant là, non? Oui. Oui. Ouh, fait peur, à Bobrou. Regarde, ce monstre a été créé par Ganon. Il y a 100 ans, c'est lui qui m'a... Mais... je sais que toi, tu pourras le vaincre. J'en suis certaine. Allez.
J'en ai marre. Ouais, c'est ça, casse-toi. Je voulais faire des paris et tout, être stylé et tout, mais tu m'as saoulé. Ah, va te tuer comme un chien. Ah, je vais être sans pitié là. J'ai dépensé sans compter. Oh, oh, oh. Ah mince, j'ai oublié d'équiper ma tenue qui permet de faire du gros DPS. Oh, je suis déçu, j'aurais pu le tuer encore plus facilement. Ah, j'aurais pu faire tellement mieux. Ah, les cinématiques. Nous avons récupéré Ruta. En revanche, nous ne jouerons plus jamais ensemble, comme nous le faisions autrefois. Mon pouvoir de guérison, maintenant que je ne suis plus qu'une âme, je ne peux plus l'utiliser. Alors, je te le confie. Reçois mon pouvoir, la prière de Mipha. Comme j'ai souffert pendant tout ce temps. Je pensais que je ne sortirais jamais d'ici, que je resterais prisonnière, toute seule. Pour l'éternité. Mais voilà qu'aujourd'hui, tu es venu me sauver. J'ai la chance de pouvoir te revoir. Et à présent, je sais que mon pouvoir est en toi et qu'il te viendra en aide. Alors, je me sens beaucoup mieux. Bien, il est temps. Ruta et moi avons une mission à accomplir. Nous te soutiendrons lorsque tu combattras Ganon au château. Cette fois, nous réussirons. Link, la princesse Zelda, elle t'attend. Vu qu'elle m'a infecté avec son pouvoir, vous croyez que c'est comme dans Alien et qu'il y a un monstre qui va sortir de mon ventre?
Vous croyez que ça se reproduit comme ça, Azura? Ah mais en fait c'était un sous-marin depuis le début. Trop bien. Ma très chère, je vais pouvoir aider Link. Lorsqu'il combattra le fléau Ganon au château d'Hyrule, nous serons là pour lui. Tu devras lancer une attaque pour affaiblir Ganon autant que possible. Pour Link, c'est tout ce que nous pouvons faire. Notre dernière contribution. Si nous parvenons à sceller Ganon, la paix reviendra en Hyrule. Toi et moi, nous aurons accompli notre mission. Père, j'espère que vous allez bien. Je sais que je n'en ai fait qu'à ma tête. Et je vous ai causé tant de soucis. Comme j'aurais voulu vous revoir une dernière fois. La sciatique a été tellement longue que la manette s'est déconnectée, merde. Bon, on va jamais récupérer sa lance, évidemment. Link. Link. Grâce à toi, toutes les créatures divines ont rejoint nos rangs, et les âmes des quatre prodiges sont à nouveau libres. Tous doivent attendre avec impatience que tu affrontes enfin Ganon au château d'Hyrule. Tout comme moi. Je t'attends, moi aussi. Eh ben, tu vas attendre un moment. Parce que du coup, normalement, ça va me débloquer. Non, pas encore. Ok, faut voir Impa. De qui vous trouvez Mipha classe, vous? Je la trouve juste très collante. Et très lourde en sous-entendu. Et juste trop chiante. Mais bon, après. Je veux dire, oui, c'est adorable, mais elle est chiante. Alors, c'est bon, on a compris qu'elle était légèrement amoureuse de Link. Au bout d'un moment, stop. Si je lourd. On va voir le roi. Oui, pour qu'il me donne l'arme de Mipha, sauf que je peux pas la stocker. Donc, je serai obligé de l'utiliser. Ah, mon emote! Je vais voir Impa, histoire de finir la quête des 4 créatures divines, et ensuite ça me permettra de faire la 5ème créature divine, qui est mon objectif en fait. J'ai pas besoin de l'arme de Mipha, je serai obligé de l'utiliser, j'ai plus de place dans la maison.
Bon, Revali, t'es pas franchement super content de me voir. T'es useless, Simba. Ouais, ouais. Allez, ça, c'est fait. Maintenant, Manuel 4, s'il vous plaît. Je suis pas censé avoir une nouvelle quête ou... Attendez, faut peut-être que j'aille là-bas directement. C'est ouf. C'est pas là. Allez. On va au moins commencer ça. Ah, ça fait déjà 2 heures. Oups. Ouais, bon, on va essayer de commencer. On va voir que je vais me faire éclater la gueule. Je vais rage quitte. N'inquiétez pas, ça va bien se passer. Mais de quoi le roi d'Hyrule ou le roi Zora? Je m'en bats les couilles du roi Zora. J'en ai pas besoin de l'arme de Mipha. C'est nécessaire pour débloquer le DLC? J'ai bien peur que ce soit nécessaire. Oh non. Ouais, bah de toute façon, j'ai pas le choix. Faut que j'aille le voir. Fuck. Il est là. De toute façon, je tire mon dernier Revali là, comme ça au moins il sera en cooldown. Si je mets la cam, mais ça coûte des points de chaîne à ce moment. Je vous fais payer pour mettre la cam. Et vaut mieux payer en début de stream qu'en plein milieu, voire fin. Hein. Je le dis maintenant. Je suis pas sûr que ce soit rentable de mettre la webcam maintenant, les gens. Et oui, ça coûte une chier de points, mais je sais pas quoi. Enfin, fallait bien que je mette un truc cher, donc. Ok. Non, on a arrêté Pixelmon du coup. On est passé sur d'autres projets. Mais putain, mais. Mais elle sort quand? Ah là là. Attendez, bougez pas. Zelda, bref.
of the world. Voilà, alors c'est ça. Normalement, ils sont censés recevoir un message là. Parce que du coup, j'ai fini les 4. Vamedo, Varadunia, Varuta, Vanna Boris. Fuck you le jeu. Est-ce que j'ai de la place pour récupérer cette arme de merde? Non. Bah attends. Pff, allez, vas-y, je vais jeter ça de toute façon. Au pire des cas, ça reste quand même une meilleure arme. Voilà, bon. Mais il n'empêche que je suis censé recevoir un message là. Je vais me téléporter au beau milieu de nulle part. Non, pas par là. Par là, parfait. Ah, ben voilà. Il se passe un truc. Link. Link. Je t'ai observé. Tu as triomphé de tous les obstacles sur ton chemin. Ruta. Rudania. Medo. Naboris. Toutes les créatures divines sont désormais libérées de l'emprise de Ganon. Tu as prouvé ta valeur. L'heure est venue de donner un nouvel essor à ta puissance. Rends-toi au sanctuaire de la Renaissance et replace la tablette Sheikah sur son terminal. Oui! On va avoir du fun. Alors si je me souviens bien, c'est horriblement dur. Tour du prélude. Voilà, donc il me semble un gros marqueur dessus, hein. Je sais pas comment je l'ai raté. Faut que je renomme le stream. Hop. Voilà. Ah, je sais pas si tu bugs plus normal. Mais t'arrives au bon moment. C'est le moment de la fée, c'est maintenant. Je me souviens que c'était relativement dur. Je m'en souviens. Ah, quel cancer. Oh, faut que je jette un truc. Ah. Ah, c'est pas de bol. Quelle est mon arme la plus... Ah. Techniquement, c'est quand même ça, mon arme la plus faible. Bon, allez, on va récupérer cette arme.
Ah bon, je suis un quart de cœur, t'es sûr? Oui, elle fait infinis dégâts. Attends, au-dessus, t'as dit? Non, mais l'épée des Sylvains, c'est trop bien. Elle one-shot, ouais, elle one-shot complètement, ouais. J'aime pas cette épée. Ah non, mais je te rassure, moi non plus, je l'aime pas. Hein. Je sais plus, je crois qu'il faut que je tue tous les ennemis qu'il y a dans les 4 zones. Alors, baguette électrique. Après, je peux tricher. Hein. Faut que t'ailles à la piscine. Ah bon? Bon, bah, bonne piscine à ce moment. Oups, il y en a un quatrième ici. Oh, ça fait beaucoup quand même. Ok. Oh non, pas comme ça, j'avais pas vu. Au secours. Ah, pardon, bougez pas, compteur de mort. Hop. Voilà. Oui, je suis mort.
C'est quoi l'arc que j'ai découpé là? Arc du faucon. Non, Link, arrête ça. T'as loupé quoi? Le compteur de mort qui est réapparu. Tiens, il a pas la même forme que les autres sanctuaires celui-là. En vrai, le masque de Majora va beaucoup nous aider. Mais c'est abusé, oui. C'est ça qui est bon. Coup de fil, j'en reviens. Excusez-moi. Attendez, j'ai vraiment fait tout ça pour un coffre? Il est par là. Salut Asmo et merci d'être passé du coup.
Ah, tant pis. I tried. Pff. Oh. Ah, c'était pas voulu, mais pourquoi pas. Ah mais, quel indu. Cassez-vous. Oh, oh là là. Ça va le faire, vous inquiétez pas. Hein. Ok. Oh, ça j'aime bien. Oh, ça j'aime moins. Mais facile. Allez. Plus que 3. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il compte pas comme sanctuaire. Parce que du coup, je suis toujours à 120. Du coup, tiens d'ailleurs, tu me les as tous désactivés? Ah, d'accord. Alors, est-ce que je peux me téléporter? Est-ce que j'ai le droit de me téléporter? Pas de raison que je puisse pas, dans le plateau en tout cas. Le plus proche du coup il est droit devant, c'est ça. Qu'est-ce qui m'a touché? Ce sérieux, le nid d'abeille en plein milieu du champ? Mais OMG! Non, non, c'était pas le lézard, c'était l'abeille qui était droit devant.
Putain, regardez ça là, ce truc d'abeille. Ah, c'est scandaleux. Allez, venez me voir. Tous les deux là. On est bien là. Venez, 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 venez. Venez, venez, venez. Venez, venez, on est encore trop proche là. Parfait. Quelqu'un m'a vu ? Ok, venez, venez. Vous ne risquez rien. Easy. Ah, attention à ne pas marcher sur une d'abeille, attention à ne pas marcher dans les pics. Tout se passe parfaitement bien pour le moment, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que ça va être, ceci? Temps de la réflexion. Ok, bonne réunion Norvac. Pardon, j'ai oublié de le compter. Allez, go. Putain. Ah, là pour le coup c'est Link qui a pas voulu sauter, j'y suis pour rien.
Genre Lee qui s'est dit, bon vas-y, je vais me jeter dans Epic, c'est beaucoup plus rigolo. Je crois que déjà sur ce, juste sur ce sanctuaire, on a déjà fait plus de morts que sur tous les lignes confondues. Hein. En vrai, je sais pas si je dois compter ces morts-là. Bah si, ouais, mais c'est pas des... Bon, ok. Non, je suis plus à l'aise à gauche. En vrai, je suis déjà épuisé, j'ai limite envie d'arrêter quoi. C'est beaucoup trop dur. Ah, désolé pour tes oreilles. Qu'est-ce que tu fous là? Ah.
là. Oh. Mmh. Oh. Ouais, à la prochaine mort, je m'arrêterai du coup. Faites que je meurs vite, faites que je meurs vite. Si, si, je lis le chat, l'autre. Oh, attendez, j'ai cliqué sur un truc, je l'aurais pas dû. Voilà. Hop. Attendez, d'ailleurs, j'ai... C'est où que j'ai noté un truc rouge? Ah, là. Oui, venez me voir. Oui, si, si, venez, 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 venez. Viendez, viendez, viendez. Allez, viendez. Il a un problème, c'est pas de sa faute. Ok, attendez, je vais sauvegarder ici. Ça, je les vois tous. J'ai aucune idée de si j'ai tué. Non, je l'ai pas tué visiblement. Là, il verra qu'en bas demain. C'est pas bon. On se casse. Où chez Vilaine Bait? Y'a d'autres qui veulent me faire des surprises comme ça? Thank you.
Oh la vache. Aucune idée de si j'ai touché. Ok, c'est bon, j'ai plus aggro. Ok, descendant. Voyons ce que ça donne en bas. Ok. On est bon. Reste un quelque part là-bas. On va très largement s'éloigner du cheval qui pourrait m'infliger un quart de dégâts très facilement. Ah, roufle. Le jeu m'a pas fait une crasse, cool. Alors, le bouclier, je peux le prendre sans problème. La hache, ce serait intéressant de la prendre, mais en vrai, je peux jeter ça. C'est à chier. Hein, une lance, quelle lance? Toujours pas. <non. rire> Attendez, quoi? C'est pas fini. Vous plaisantez? Est-ce que c'est une sorte de blague malsaine?
Oh, quel crétin. Bon allez, j'avais dit, on s'arrête à la prochaine mort. Donc merci à vous d'avoir suivi ce stream. Hop là. Et à la prochaine. Ciao.